personnage dont le nom traversera les siècles et dont les travaux changeront à jamais le cours du monde. Son nom, Aristote. Il sera le premier à tenter d'expliquer le phénomène si mystérieux de l'art ancien. Décidé à percer le mystère, Aristote observe jour et nuit le ciel pour tenter d'expliquer les curiosités de la nature. Il finit par comprendre une chose. Le monde terrestre est une forme sphérique constituée de quatre éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Mais pour le philosophe grec, la naissance de ces quatre éléments demeure une énigme. Pour trouver leur origine, il nous faut remonter jusqu'à la nuit des temps, quand furent créées les étoiles. De toutes ces étoiles, une se dégage, brillante, gigantesque, phénoménale. Elle est apparue dans notre galaxie il y a 5 milliards d'années, et notre existence lui est intimement liée. Source de chaleur, le Soleil nous envoie également une chose aussi primordiale qu'insaisissable, sa lumière, dont la clarté blanche nous parvient à près de 300 000 km par seconde. Thank you.
présent. Cette petite bille flottant dans l'univers. Mais si petite soit-elle, la Terre est une exception. Elle est recouverte à 71% par les océans. Des océans majestueux et profonds qui constituent une inestimable richesse. C'est grâce à eux que l'on surnomme la Terre la planète bleue.
de la rencontre de ces différents éléments naturels, naît un phénomène extraordinaire. Évanescent comme l'éther, d'une beauté rare, que les hommes ont toujours rêvé de saisir, sans jamais pourtant y parvenir. Longtemps énigme pour la science, l'arc-en-ciel demeure encore aujourd'hui ce pont mystérieux entre la terre et les cieux. Il est l'arc de cercle éphémère qui apparaît parfois entre pluie et lumière.